Bonjour Jacques. Bonjour. Attends, prends ton micro. Non, mais j'ai un bouquin, t'inquiète pas. Oui, hein. C'est mieux quand je parle au micro. Hein. Oui, c'est mieux. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est intéressant ce que tu as à dire, mais on va t'entendre. Non, ouais, non, ouais, non. Mais enfin, on pourra faire le tri. Bon, alors là, aujourd'hui, tu sors un bouquin pratiquement tous les mois, toi, non? Ou... Non, bah tous les mois, quand même. Moi, je les écris, mes bouquins. Hein. C'est vrai? J'ai pas de nègre. T'as pas de nègre? Non, j'ai pas de nègre. Bon. J'écris mes bouquins. C'est sûr? Donc, tu peux me piéger. Bah, je vais te piéger. Allez, alors, ça s'appelle « Mes ordonnances de plantes, comment se soigner naturellement ». Voilà, exactement. Voilà, hein, ça t'est venu comme ça dans la tête. Tu te dis, je vais écrire un bouquin. Ça fait 35 ans que ça met dans la tête. Oui, c'est vrai. C'est quand même une plante qui a bien poussé. Hein. C'est une vieille plante? Tu l'arroses de temps en temps? Oui, est-ce que tu t'arroses de temps en temps? Ah oui, je m'arrose. Ok, donc tu es médecin phytothérapeute, c'est ça? Oui, toujours. Écrivain et journaliste. Voilà. Voilà. Alors, autour de nombreux livres, on ne va pas tous les citer, on va même en citer aucun, on va parler de celui-là. Il y en a un sur les plantes aphrodisiaques, mais que tu m'as déjà piqué plusieurs fois. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, ça a eu de l'effet sur moi. Mais après, il se plaint parce que pour le service après-vente. Très bien. Alors, ton livre est un guide pratique, c'est ça? Oui. Vous accompagner dans l'utilisation des plantes médicinales. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de le prendre dans le sac à dos. D'accord. Le prendre dans le sac à dos et dès qu'on a besoin et qu'on est loin d'une pharmacie, par exemple, eh bien, on peut soigner. Par exemple, tu pars en pique-nique. Oui, voilà. Imagine, tu pars en pique-nique. Ouais. Le temps s'y prête. Hein. Oui. Oui, et puis, t'es resté trop longtemps au soleil. Ouais. Et tu as le nez qui coule, qui saigne même. T'as le nez qui saigne. C'est une horreur, là. C'est une horreur. Tu fais quoi? Bah, tu vas me le dire, t'es tout bête. Eh ben voilà, tu vas ramasser de l'ortie, alors avec des gants, hein, tu prends des gants quand même, avec l'ortie autrement, tu vas avoir... Avec les orties, il faut prendre des gants. Oui, il n'y a pas qu'avec les orties, mais enfin... Mais surtout avec les orties quand même, d'accord. Voilà, tu coupes la tige d'ortie, tu mets sur un petit morceau de coton ou de mouchoir, et tu mets ça dans le nez, et ça arrête immédiatement. C'est super ton bouquin, c'est hyper pratique. Oui, c'est pour ça que je suis venu. Alors, comment se soigner avec des plantes? Eh bien, le principe de base, c'est l'infusion. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut s'infuser les plantes. D'accord. Des fois, le médecin aussi, mais la plante, en tout cas. Il faut l'infuser. Alors, lesquelles utiliser? Toutes. Ça dépend de ce que l'on a. Par exemple, la sauge. Oui, la sauge. La sauge, qui a de la sauge dans son jardin, ne voit jamais le médecin. Proverbe gascon. Oui, c'est vrai. Et la sauge, en latin, salvare, sauver. Bon, alors la sauge, ça calme quoi, la sauge? Ça calme la digestion, ça calme les nerfs, et c'est même œstrogénique. Très bien. Alors, comment les choisir? Alors, le mieux, c'est d'aller chercher ces plantes soi-même. Oui. Tu sais que tu te souviens, Jean-Jacques Rousseau, il allait herboriser derrière le château de Vincennes. Absolument. Voilà. Oui, oui. Maintenant, on trouverait d'autres plantes, mais enfin, ça, c'est plus les mêmes. Plus toxique. Mais autrement, l'idéal, c'est de ramasser. Déjà, tu as du lourd. Eh ben oui, comme toi. Très bien. Faut que je me mette au niveau. Hein. Donc, l'idée, c'est de les ramasser soi-même quand on peut, mais en évitant les zones évidemment intoxiquées. Oui, alors, les pieds des incinérateurs, les bords d'autoroute. Ah oui, c'est important ça. Ah oui, oui. Quel genre de précaution il faut prendre? Celle-là. Celle-là. Après, malheureusement, non, plus d'herboristes. Alors ça, il faudrait que tu fasses une grande campagne pour qu'on rétablisse les herboristes. Parfait. Alors, où se procurer les plantes? Chez les pharmaciens. Uniquement? Il ne reste plus que les pharmaciens. Parce que les pharmaciens, quand on va chez la pharmacie, il y a toutes les plantes possibles? Non, parce que ça n'intéresse pas vraiment toujours. Donc, il y a quelques pharmaciens. On peut pas se les procurer en dehors des pharmacies? Si, en dehors des pharmacies, non, parce que c'est vrai. On peut aller les ramasser. Tu peux aller avec tes enfants. Pour ramasser les plantes, non. Non, mais pour les acheter. Pour les acheter, non plus. Non plus. Non, il faut savoir les utiliser. Comment les consommer? Eh bien, en tisane. La tisane, alors si ce sont les parties supérieures de la plante, c'est-à-dire les fleurs, les feuilles et autres, c'est une infusion. Oui. C'est-à-dire qu'on les laisse 10 minutes comme un thé, quoi. Tu fais un thé, en fait. Okay, hein. Okay. Et si c'est des parties dures, racines, écorce, là, on les fait en décoction. C'est-à-dire qu'on les laisse bouillir pendant 10 à 20 minutes. Alors, comment les utiliser? Bien, toujours. Toujours bien. Alors, moi, j'ai noté, c'est dans ton bouquin, c'est en tisane, en infusion, en décoction. Oui. En gélule. Voilà, alors maintenant, il y a la forme bobo des plantes. Hein. Oui. La forme bobo des plantes, la plante bobo pour les bobos, enfin bon. D'accord, on va attendre. Bobo pour les bobos. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a des gélules, effectivement, qui contraignent de la poudre de plantes. Mais une gélule, c'est un dixième de tisane. D'accord. De tasse de tisane. Donc, c'est plus efficace dans l'infusion. Ok, et en hydrolate. Alors, l'hydrolat... Ah, l'hydrolat, excuse-moi. Non, il y a un thé. Il y a un Y aussi. Il y a un thé, mais le thé, c'est l'infusion. Ça infuse même. L'hydrolat, c'est ce qui reste quand on a distillé la plante. Quand on distille une plante, on met une plante dans un alambic. Oui. Je sais que tu mets autre chose dans l'alambic, toi. Mais bon, normalement, on met des plantes et on a une essence de plante. On a une essence de plante. D'accord. Et il y a l'essence, l'huile essentielle. Et il y a l'hydrolat. L'hydrolat, c'est l'eau florale. Alors, on aura appris quelque chose, surtout moi. L'hydrolat, par exemple, il y a un hydrolat très connu qui est l'eau de mélisse des Carmes. Ah, l'eau de mélisse, ok. Alors, aussi en huile essentielle.
Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand on met dans l'alambic, d'accord, la distillation, c'est l'huile essentielle. Alors, c'est une forme très concentrée de la plante. En cataplasme aussi ? Oui, bien sûr, c'est très très bien, ça marche bien, bah, évidemment. À l'ancienne. En sirop, en jus aussi ? Oui, le jus de curcuma. Le curcuma, tous les épices sont des choses remarquables. Oui. C'est qu'ils étaient utilisés autrefois pour éviter d'abîmer les aliments. Pour que les aliments se conservent, puisqu'on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de réfrigérateur, on n'avait pas de moyens autres. Donc maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient antioxydants, d'où l'intérêt. Et antioxydants, ils sont protecteurs au niveau de beaucoup, beaucoup de tumeurs. Et le curcuma, par exemple, est un excellent anti-inflammatoire, aussi bien pour les douleurs rhumatismales que pour les problèmes d'intestin. Tout ça est extrêmement intéressant et tu en parles dans ton bouquin, j'espère. Ah ben oui, oui, je l'écris même. Tu l'as écrit. Alors, dans le livre, pour chaque symptôme courant, il y a une ordonnance aisée à se procurer, c'est ça. Voilà. Ce que j'ai dit. Là, j'ai déjà fait des livres où j'expliquais les plantes, leur fonctionnement, leur utilisation. Là, j'ai voulu faire un guide très pratique. Oui. C'est-à-dire, on a une tendinite, on prend la page tendinite et on va avoir tout de suite la solution. Donc, c'est par ordre alphabétique. C'est par ordre alphabétique, voilà. Voilà, ok, parfait. Alors, on a tout dit, là, non ? Bah, on a tout dit, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il n'y a plus qu'à l'acheter, quoi. C'est un bon truc, c'est cher, donc ça coûte ? Non, 12 euros. 12 euros, c'est rien. Je suis en Fortas, tu es plantes, fidèle en Fortas. Hein. Oui, bah, je suis un ami, donc, et j'aime bien. Et, parce que les éditeurs, autrement, sont les arnaqueurs, souvent. Oui. Bon, ça, tant mieux, je vais me faire des amis encore. Oui, tu vas faire des amis, d'accord. Mais c'est pas grave. Donc, tout est expliqué, c'est sympa, et ça s'appelle Mes ordonnances de plantes. Comment se soigner naturellement ? Voilà, tout simplement. Et pas être malade, parce que c'est ça le but, finalement, des plantes. Ne pas être malade. C'est que les médicaments, on a ce qu'il faut, mais il n'y a pas une semaine où il se passe un médicament qui ne soit retiré du marché. Très bien. Alors que les plantes, non, à part les plantes qui tuent, mais Socrate est mort depuis longtemps. Oui, d'accord. Donc on va éviter celle-là. On va éviter celle-là. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Ben, merci à toi. Tu sors un bouquin la semaine prochaine, non ? Tu reviens ? Ça va être un roman policier. Oui, ben, tu reviens quand même. Voilà, oui, j'aurai. Merci, Jacques. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Tu veux reprendre ton